Sur des vagues d'acide, ils voguent lentement, croisant des naufragés qui, désespérément, leur demandent de l'aide, rongés par la douleur. Sur des vagues d'acide, ils voguent lentement, croisant des naufragés qui, désespérément, leur demandent de l'aide, en faisant des grimaces causées par la douleur qui leur ronge leur cœur sur leurs petits rochers pareils à des limaces. Hurlant comme des fous, ils attendent l'accord du chanceux équipage pour monter sur le pont. Certains n'en peuvent plus et tombent tout au fond de l'océan mortel qui les consume entiers. Ces pauvres malheureux n'ont pas leur mot à dire. L'acide et sans merci ne fait pas de quartier. Si l'on regarde bien, on peut le voir sourire. Continuant sa route, l'équipage examine les pauvres survivants que la mer extermine. Il fait sa sélection, la repêche, un ou deux n'aiment pas. Les plaintifs privilégient les forts, rejettent ceux qui ont des larmes plein les yeux, ceux qui remercient trop, ceux qui sont presque morts. Cela fait bien longtemps qu'ils voyagent ainsi, depuis que l'océan a bouffé les pays et s'est mêlé aux expériences des humains, à tout ce qui sortait des usines fumantes, à ces liquides fous prodigués par leurs soins. L'acide se répandait jusque dans leurs fientes. Mais Seigneur, par pitié, j'ai encore mes deux bras, une jambe et un pied, mon être servira votre noble équipage, et je ferai la plonge tous les jours s'il le faut. Je cirerai le pont tout pour oublier cet océan qui me ronge. Prenez-le avec vous, promis, je serai bon. Le capitaine rit, regarde le marin qui supplie s'affaiblir et agite les mains. Le capitaine froid reste sur son océan. Il n'y aura pas de fin pour les victimes de l'océan. Un petit peu plus loin, un autre homme s'écrie: ô toi mon capitaine, aie pitié de ma vie et viens me secourir de tes mains vraiment fières. Oublie, oublie ta colère, écoute ta pitié. Malgré ta tête froide et ton regard fier, je sais bien que ton cœur ne veut pas me châtier. Une vague géante aspire le bateau de sa gueule béante. Le capitaine sent l'acide qui le bouffe. Il ne rit plus du tout, c'est mieux quand c'est les autres. Il les entend, ces autres survivants qui bouffent pendant que le trépas sur notre âme se vautre. Tout l'équipage est mort, les hommes des rochers le rejoindront bientôt, leurs tronches arrochées sont tristes, mais pourtant s'avouent leur vengeance. L'humanité sera morte dans quelques heures. Oublier la fin, c'est leur rocher. C'est leur dernière chance. Merci.